Bon. Ah, j'ai une petite vidéo ici. Voilà, hop. Et j'aimerais la mettre sur ma story WhatsApp. Sauf que ma vidéo, vous voyez, elle dure 55 secondes. Et les stories WhatsApp durent 30 secondes. Donc pour cela, si je fais juste partager sur WhatsApp dans ma story, elle va apparaître. On voit ici juste les 30 premières secondes. Donc là, je peux cliquer ici sur partage. Et je refais après la même chose. Et la deuxième fois, je mets ici sur 30 secondes. Voilà comment ça fait. Première vidéo envoyée. Je repartage la même vidéo de nouveau sur ma story WhatsApp. Et cette fois, je mets à 30 secondes. Et je partage. Et maintenant, quand je vais voir ma story WhatsApp, je peux voir ici ma première vidéo qui joue normalement et qui va jouer pendant 30 secondes. Et je ne vais pas attendre jusqu'à la fin, mais on voit que à la suite, il y a la deuxième partie de la vidéo depuis les 30 secondes. Et je fais ainsi de suite, autant que la vidéo elle est longue. C'est-à-dire que si c'est une vidéo d'une minute, je devrais le faire en deux fois. Si c'est une vidéo de 2 minutes, je devrais le faire en quatre fois, chaque fois par tranche de 30 secondes. Voilà.